you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. L'autre actualité, ça se passe chez Croisie Europe jusqu'à dimanche. Vous pouvez découvrir des artistes alsaciens qui exposent sur vos bateaux. Gérard Schmitter, vous êtes le fondateur de Croisie Europe, hein ? Oui, exact. Oui, et alors, oui. Vous êtes également, et on le sait un petit peu moins, peintre. Exact, oui. Et nous oui, sommes oui. entourés de vos tableaux, peintures. De mes peintures, oui, c'est vrai. Alors, une vraie envie de faire une belle exposition pendant tout le week-end ? Oui, oui, je pense que le monde qui a réservé, ça donnera une belle exposition. Surtout, ça se prête bien, parce que demain, dimanche, il y a les élections, donc les gens partent voter. Ils viennent après ou viennent avant, donc c'est un petit peu un point de sortie qui sera bien. Voilà, c'est la sortie à faire, vous allez voter citoyen, voilà. Et vous venez après vous balader sur les bateaux. Alors parlons un petit peu de votre travail, on est entouré de vos peintures, il y a de ce côté-ci les fleurs, ça c'est important oui, ça, pour c'est, vous. Oui, j'ai toujours fait des fleurs, parce que j'aime les fleurs, et si tu regardes bien, il y a beaucoup de pots qui sont en grès, de Petstoff, d'où je suis, ouais. Donc... Et de l'autre côté, j'ai cette année fait un peu des tableaux un peu plus modernes pour un petit peu m'approcher des gens qui commencent à aimer plus le moderne que presque l'ancien. Alors ça fait combien de temps que vous peignez ? Parce que là, ce n'est pas des peintures de débutants non plus. Non, hein. non, ça fait longtemps. Déjà quand j'étais jeune, j'ai fait les arts déco à Limoges et pour la poterie, mais on faisait aussi de la peinture. Et puis après, j'avais une coupure de, on peut dire, de presque 35 ans, j'ai plus peint et j'ai recommencé il y a une quinzaine d'années, en 85. Et voilà. Alors aujourd'hui, quand je vois là, je vois Venise, je vois derrière vous l'Alsace, là je vois la Grèce. Vous êtes sur le terrain ou vous le faites ici en Alsace en vous souvenant de Venise ou de la Grèce hein? Non, je le fais en Alsace, mais c'est un peu aussi toutes les destinations que nous faisons en bateau. Hein. La Grèce, l'Italie, Venise surtout. Et puis... presque toutes les destinations. J'essaye d'avoir des photos et alors je les reproduis chez moi à la maison. C'est un vrai plaisir. C'est quoi peindre pour vous ? Ah, c'est un vrai plaisir, hein. Ça c'est vrai. J'aime pas toujours peindre. Écoute, je peux même pas te le dire. Mais quand j'ai pas envie, je peux pas peindre. Et parfois, vous mettez devant la toile et ça vient. Et je peins pendant quelques semaines où j'ai vraiment envie de peindre et là ça me... Alors, il y a les peintures de vous, hein, de Gérard Schmitter. Oui. Vous exposez d'autres artistes. Il y a Daniel Gasser. Oui, il y a 25 artistes qui sont là. Et il y a presque tous sont des très bons artistes. Il y a même des meubles. Il y a même un lit exposé sur l'autre bateau. Il y a deux bateaux qui exposent, qui est complètement peint dans le style irlandais. C'est très, très joli. Hein. Alors, c'est une exposition. Est-ce qu'on peut également acheter ? Oui, les clients peuvent acheter, oui. Oui, ils vendent. Voilà, merci Gérard. Belle exposition à ne pas manquer, rue du Havre à Strasbourg, c'est jusqu'à dimanche, vous l'avez vu. Hein. Vous allez voter, devoir citoyen, après vous venez vous détendre ici. Un vrai voyage en peinture.